Eh bien, on va faire un cours commençant aujourd'hui qui parlera de théorie synthétique de la courbure de Ricci. Et je vais dire, pour donner des éléments de contexte, que la théorie que je vais exposer a commencé à être développée systématiquement il y a 10 ans à peu près, vers 2004-2005. Une étape importante pour moi, pour la théorie, pour moi, ça a été le livre que voici. Donc en 2009, mon livre Optimal Transport Old and New, que j'appellerai Old and New chaque fois qu'il y aura besoin. Et 2015, la résolution de l'un des problèmes ouverts présentés dans le livre qui me tenait particulièrement à cœur par 2 chercheurs italiens, donc Cavalletti, Mondino, résolve un des problèmes ouverts majeurs du livre. Et c'est le moment de faire le bilan de la théorie. Le moment du bilan. Et de vous expliquer la preuve aussi. En l'occurrence, c'est très bien adapté à l'IHES, puisqu'il s'agira de donner une preuve synthétique, plus générale, plus simple, de l'inégalité dite de Lévi-Gromov. Et je mentionnerai aussi qu'il y a une autre théorie, à peu près au même moment, qui a été développée par Yann Olivier. Les deux ont des intersections, des points communs, Yann Olivier et autres, qui s'appliquent particulièrement bien dans un cadre discret, avec des points communs. Et pour elle aussi, il y a un résultat majeur qui a été prouvé l'an dernier. Résultat important en 2014 sur une question de temps de mélange de marche aléatoire définie sur un groupe de permutation. Et ça a été fait par Berestiki, Nathael Berestiki et le collaborateur de Berestiki qui s'appelle... qui doit s'appeler un nom turc que j'ai oublié. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'audience qui a vu passer cet article. Andrzej, peut-être? Tu as vu passer? Non. Hop, ça ne se fait pas de ne pas dire les noms des co-auteurs entiers. Alors. Il s'agit de Sengul. Donc, dans les deux théories, après un moment, arrivent les bons résultats et c'est le moment d'en parler. Et on va développer ça en 10 heures. Alors, on va commencer par un prélude. Analytique et synthétique. Qu'est-ce qu'on appelle analytique? Qu'est-ce qu'on appelle synthétique? Il n'y a pas de définition précise. Mais on va dire que quand on a des calculs, on appellera ça analytique. Quand on a des propriétés, on appellera ça synthétique. Et on va donner quelques exemples. Analytique et synthétique. Alors, on commence avec l'exemple qui est peut-être à garder en tête toujours pour ce dont je parlerai, la convexité. Comment on définit qu'une fonction est convexe? Les deux façons les plus populaires, c'est de dire qu'une fonction est convexe si sa dérive est seconde et positive. Et l'autre veut dire que la... fonction est convexe si le graphe de la fonction est toujours majoré, est toujours en dessous de la tangente, en dessous de l'application tangente, pardon, de la corde, au-dessus de la tangente et en dessous de la corde. Et ici, ça va être donc phi de 1 moins tx plus ty inférieur ou égal à 1 moins t phi de x plus t phi de y. Et ce, pour tout x
pour tout y, pour tout t appartenant à 0,1. OK. Alors, on va appeler ça analytique parce que, comme vous le voyez bien ici, on est en train de faire un calcul qui est celui de la dérivée seconde et un test après qui est assez facile, savoir si c'est positif. Ici, c'est pas un calcul, c'est un paquet de calculs. Il faut le faire pour tout x, pour tout y. En particulier, cette définition-ci est non locale. Celle-ci, on va dire qu'elle est effective. En pratique, on arrive à la vérifier, à l'établir. Si je vous donne une fonction inconnue, vous dérivez deux fois, vous regardez le signe, souvent ça se traite. Celle-ci, en pratique, elle est intractable. Si vous essayez de la vérifier directement sur une expression, d'habitude, vous n'en sortez pas. Ça ne veut pas dire qu'elle est inutile, au contraire, on s'en sert sans arrêt, ses propriétés de position respective du graphe et de la corde. Donc c'est très utile, mais c'est très difficile à vérifier. Et puis, elle a d'autres avantages, c'est qu'elle est plus générale, cette définition. A priori, pour écrire ça, il faut que la dérivée seconde existe, tandis que là, je me fiche complètement de l'existence de quelques dérivées que ce soit. Et évidemment, si je regarde une fonction comme la valeur absolue, elle vérifiera la deuxième définition, mais pas la première, à moins de travailler au sens des distributions ou quelque chose d'un petit peu sophistiqué. Elle est plus générale et puis aussi elle est plus stable. Et l'exemple à garder en tête, c'est si vous savez que φ tend vers φ, et vous vous demandez quand est-ce que je vais pouvoir passer à la limite dans la définition. Si vous voulez passer à la limite dans ce critère, il vous faudra une convergence C2, par exemple. Uniforme ou quelque chose de à peine plus faible. En revanche, si vous voulez passer à la limite dans cette définition, il vous suffira d'avoir la convergence simple. Pointwise. Et donc, c'est stable pour une topologie beaucoup, beaucoup plus faible. Après, les deux sont équivalentes quand la fonction est lisse. Mais supposez que vous avez une famille de fonctions convexes, lisses, qui convergent simplement vers une fonction lisse, il n'y a pas d'autre moyen de prouver la convexité que de passer par cette définition, en intermédiaire, on va dire. Vous utilisez l'équivalence, vous convergez ici, et puis vous faites l'équivalence dans l'autre sens. Et c'est une stratégie qu'on applique tout le temps. Et c'est bien parce qu'il y a l'équivalence entre ces deux définitions que la notion de convexité est si utile. Une dernière chose qu'on va remarquer, c'est que cette définition-ci est facile à quantifier. Facile à quantifier au sens où la dérivée seconde, c'est quelque chose. En fonction de ce quelque chose, vous pouvez dire que ça vous donne des informations sur la convexité. Si le quelque chose est strictement positif, vous direz que la convexité est uniforme, par exemple. Ici aussi, on peut quantifier, mais c'est plus délicat. Il faut rajouter des termes, mais ça se fait aussi. Peut se quantifier. Bon, alors, point de vue analytique, point de vue synthétique. Ce qu'on a vu ici, le fait que le point de vue synthétique est plus général, plus stable, utile. Aussi, on a l'impression de mieux comprendre dans beaucoup d'arguments. C'est général. C'est vrai pour beaucoup de choses qui sont pour beaucoup de choses dans cette dichotomie analytique et synthétique. Alors maintenant, un autre domaine dans lequel on va faire la distinction entre analytique et synthétique, c'est la géométrie euclidienne. Géométrie dans le plan, tel qu'on l'apprend à l'école. Et ce qu'on apprend, c'est d'abord à faire la géométrie à la façon des Grecs anciens, avec des triangles, des cercles, des droites, et une axiomatique, et des propriétés. Et puis, un jour, on apprend que c'est équivalent aussi au point de vue synthétique, où par exemple, l'équation d'un cercle, ça pourra être x2 plus y2 égale r2, l'équation d'une droite, ça pourra être ax plus by plus c égale 0, et ainsi de suite. Donc d'un côté, des calculs avec des équations, de l'autre côté, des figures avec des propriétés sur lesquelles on raisonne. Et évidemment, comme on sait qu'en géométrie euclidienne, c'est tellement puissant, et les remarques ici s'appliquent aussi, c'est plus effectif de faire les calculs, de faire les intersections, souvent, mais on comprend mieux quand c'est énoncé en forme synthétique, on va passer à la géométrie non euclidienne. Par exemple, la géométrie des surfaces. Alors,
le principal objet en géométrie non euclidienne, on va y revenir plus tard, c'est la courbure de Gauss. Appelons-la kappa. Et il y a une formule pour vous dire ce que c'est que la courbure de Gauss et comment vous la calculez. Et puis, il y a aussi une façon de traduire de manière synthétique les estimations sur la courbure de Gauss en regardant la forme des triangles. Par exemple, si le triangle est comme ça, c'est que ça correspond à une courbure positive. Si le triangle est comme ça, c'est que ça correspond à une courbure négative. Et ainsi de suite. Et triangle, on va quantifier ça, par exemple, par le fait que la somme des angles est strictement plus grande que pi. Ça sera la marque d'une géométrie de courbure positive. Et ça porte sur une propriété des figures. Et pareil, il y a des équivalences entre un point de vue et l'autre point de vue. On va revenir sur cet exemple plus en détail plus tard. Et puis maintenant, si vous faites de la géométrie non euclidienne, courbure en plus grande dimension, courbure plus surface, on va dire, il y a un objet qui est important, c'est la courbure de Ricci, qui remplit de multiples rôles. Et pendant longtemps, la question c'était qu'est-ce qu'on met ici ? C'est une question que vous trouvez posée, par exemple, dans l'ouvrage, dans le joli petit ouvrage de Gromov sur le signe et le sens de la courbure. Et c'était pas clair pendant longtemps qu'est-ce qu'il fallait faire pour ça. Et donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est une théorie qui remplit cette case et qui est basée sur le transport optimal. On ne parlera pas de transport optimal aujourd'hui, on réservera ça, on commencera ça pour la prochaine séance. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de la courbure de Ricci et poser le problème plus précisément. Et je vous parlais de la théorie tout à l'heure de Yann Olivier avec des points communs. Elle est aussi basée sur le transport optimal et il y a, comme je disais, une grosse intersection. Elles sont équivalentes dans le régime continu, on va dire. Voilà, alors deux remarques avant de continuer. Première remarque, donc deux remarques. Premièrement, quelque chose qui est essentiel dès qu'on parle de convexité, dès qu'on parle de courbure, c'est qu'il y a un principe de propagation du local vers le global et vice-versa. Convexité, c'est une propriété infinitésimale, et puis vous arrivez à l'agrandir, à l'agrandir. Et en général, quand vous regardez des relations différentielles, elles ont peut-être des propriétés localement, mais quand vous essayez de les démontrer globalement, ça ne marchera pas. Mais pour la convexité, c'est un petit miracle que ce qui est vrai localement devient vrai globalement, et réciproquement, vous pouvez toujours revenir au local. Et en courbure, c'est pareil. Il y a beaucoup de propriétés qui sont vraies localement et qui peuvent se propager jusqu'à être vraies globalement. Par exemple, courbure positive, sous des hypothèses simples, vous arrivez à montrer, pour le coup, c'est pas facile à montrer, que si tous les petits triangles vérifient somme des angles plus grande que pi, alors tous les grands triangles vérifient aussi somme des angles plus grands que pi. Il y a une propagation depuis le local vers le global. Et c'est une question importante aussi pour le problème qui nous occupe. Et puis l'autre remarque, c'est que parfois, la notion synthétique, implique automatiquement une régularité. Une régularité qui peut être presque celle dont vous auriez besoin pour la notion analytique. Et là encore, l'archétype, c'est la convexité. Si vous regardez une fonction convexe, soit phi de Rn dans R, une fonction convexe. Okay ? Je suppose rien d'autre que la convexité. Alors, automatiquement, convexe au sens phi de 1 moins tx plus ty inférieur ou égal à blablabla. Alors, automatiquement, phi est deux fois dérivable presque partout. C'est le théorème de différenciabilité seconde d'Alexandrov. Et ça vous montre, on n'est pas deux fois différenciable, mais pas loin, presque. Et donc, il y a une rigidité, si on veut, une régularité automatique qui impliquait
par la notion synthétique. Alors, dans les cas qui nous intéressent, on pourrait dire que ici, il y a aussi, quand on définit un cercle, il est forcément géométrie euclidienne, c'est forcément à cette équation-là, et tout est régulier. Quand on regarde la courbure positive, automatiquement, le simple fait de décider que les triangles seront gras, ça implique qu'il y a une certaine régularité sur l'espace, pas loin de deux dérivés. En revanche, si vous décidez que les triangles sont maigres, ça n'implique rien du tout. Et votre espace peut être aussi pathologique, aussi irrégulier que vous voulez. Donc ça dépend des cas. Dans ce qu'on traitera, on verra qu'il y a un début de régularité, et ça fait partie des points qui sont encore ouverts dans la théorie, quelque chose qui n'est pas aussi fort que ce qu'on a là, mais quand même assez contraignant. Et puis, je vais donner tout de suite les noms des contributeurs pour être sûr d'oublier personne. Et puis, contributeurs. Alors, contributeurs, plein de monde. Au début, alors, les articles fondateurs, on va dire, pour la théorie que j'exposerai, il y a Otto et moi-même. C'est un article qui date de 2000, à peu près de 2000. Lott et moi-même, Sturm, des articles qui arrivent quelques années plus tard, et puis par ordre alphabétique, et beaucoup, beaucoup de gens qui développent la théorie, alors beaucoup, beaucoup, j'exagère un peu, mais parmi les plus notables, Ambrosio, Bacher, Bianchini, Cavalletti, Cordero et Rosquin, Gili, Ketterer, Kuwada, Lott, McCann, Mondino, Rayala, Savare. Et voici la partie difficile, Schmuckenschläger. Sturm et moi-même, et puis d'autres encore. Et puis, sur la théorie que je ne développerai pas avec Olivier, il faut citer en particulier Erbach et Maas parmi les contributeurs. OK. Eh bien, allons-y. Ça, c'est le prélude, distinction entre analytique et synthétique. Et voici le plan du cours. Oh là là, il y a beaucoup de brosse. Théorie classique, analytique si on veut, classique de la courbure de Ricci. Qu'est-ce que c'est la courbure de Ricci? On va voir et revoir ça. 2, transport optimal. Trois, entropie de Boltzmann. Et information au pluriel. 4. Rencontre, la façon dont les différents, plus précisément la façon dont les trois différents premiers chapitres se rencontrent et qu'est-ce qui sort de l'interaction. 5. Les espaces CD de Kn généralisés. CD de Kn, c'est pour courbure dimension. 6. Analyse des espaces CDKN. Analyse et géométrie. Des espaces CDKN. Voilà. Hein, courbure, dimension.
parmi les références, alors, il y a le gros bouquin. Et puis, je donnerai aussi comme référence un texte que vous trouvez sur ma page web et qui est une note de synthèse et qui s'appelle précisément Synthetic Theory of Ricci Curvature Bounds. Ce sont les notes d'un cours dans une conférence, Synthetic Theory of Ricci Curvature Bounds. Sur ma page web. Et puis, le préprint de Cavalletti-Mondino, Sharp and the Perimetric Inequalities. Ok. Et on commence aujourd'hui avec la théorie classique de la courbure de Ricci. Et on va supposer qu'on ne sait presque rien, donc on va repartir du départ. Bon, classique et donc en particulier, on définira ça sur des variétés riemanniennes. Assez lisses. Si on sort du cadre riemannien tout en restant lisse, il y a par exemple le cadre finslérien dans lequel... Ce n'est pas des produits scalaires, mais c'est quand même des normes qui donnent infinitésimalement la géométrie. Dans ce cas-là, il y a plusieurs notions possibles de courbure, plusieurs notions possibles de courbure de Ricci. On verra plus tard qu'il y en a une qui est naturellement associée à la théorie que je présenterai. Et pour l'instant, on va rester riemannien tout du long. Et on va commencer avec à rappeler la courbure sectionnelle. Dans la courbure de Gauss, évidemment, on a S, une surface, ou un morceau de surface, X, un point dans S, et on envoie ça dans l'espace, on envoie ça dans la sphère S2 par l'application normale. Ici, une surface plongée dans R3. Mettons dans E3 l'espace euclidien. N, l'application normale. Et on pose kappa égale le déterminant jacobien de la normale. OK ? Ça, c'est N. Et ça ne dépend pas de l'orientation qu'on a choisie. Et ce qu'on va noter, c'est que, évidemment, donc non seulement c'est indépendant de l'orientation, mais aussi du plongement, comme nous l'a appris Gauss. Et donc, ça ne dépend que de la métrique ou première forme fondamentale. Et il y a des formules, si on veut expliciter la courbure en fonction de la métrique. Les formules en elles-mêmes sont compliquées et ne servent pas à grand-chose, donc on ne va pas les rappeler. Évidemment, la courbure pour la sphère, avec cette définition-là, c'est 1. Pour le plan, c'est 0. Et pour l'espace hyperbolique, le plus standard, c'est moins 1.
Ça, c'est la définition telle qu'on peut la voir dans le fameux article de 1827. Alors, il y a un autre point de vue pour la courbure qui sera beaucoup plus parlant pour nous. C'est celui qui consiste à l'exprimer en termes d'écartement des géodésiques. Formulation équivalente contrôle de l'écartement des géodésiques, de la divergence, si vous voulez. Alors, je prends un point X sur ma surface et deux vecteurs tangents, U et V, U orthogonale à V, norme de U égale norme de V égale 1. UV appartenant à TX, S, ma surface. Et je lance une géodésique avec vitesse U, une géodésique avec vitesse V. Ici, gamma U de T, ici, gamma V de T, avec, par exemple, gamma U de T égale exponentielle X TU. Autrement dit, je suis la géodésique de vitesse constante qui démarre de X avec vitesse U. Et quand je dirais géodésique sans arrêt, ça voudra dire géodésique à vitesse constante. Et on se demande quelle est la distance entre les deux. Distance entre gamma U de T et gamma V de T. Alors ici, c'est la distance géodésique. Distance géodésique de X à Y étant l'inf des intégrales de 0 à 1 de, on va l'écrire comme ça, c'est une des définitions possibles, gamma point de T carré dT racine carrée sur tous les chemins tels que gamma de 0 égale X, gamma de 1 égale Y. Donc distance géodésique entre le point ici et le point là. Et si on regarde comment ça se comporte, alors au premier ordre, c'est racine carrée de 2 fois T, puisqu'ici il y a orthogonalité, ça c'est le théorème de Pythagore. Et puis après il va y avoir une correction, et le premier terme il s'annule, le deuxième terme, et c'est lui qui porte la correction, donc c'est un terme d'ordre 3 en T, et il y a un coefficient qui est égal à 12. Et puis après il y a des termes d'ordre plus petit, quand T est envers 0. Et ce qui est important, c'est qu'ici, le nombre kappa, c'est le même que celui qu'on a vu précédemment. Autrement dit, en temps petit, ça contrôle la divergence, ça vous dit, la diagonale dans le triangle rectangle, si elle est plus petite ou plus grande qu'en géométrie euclidienne. Courbure positive, la diagonale sera plus petite, ça a tendance à se rapprocher. Courbure négative, la diagonale sera plus grande, ça aura tendance à s'écarter. Cette forme montre aussi directement, une fois qu'on a établi cette forme, elle montre directement que c'est un invariant par isométrie, parce que la distance géodésique est invariante par isométrie, et donc le coefficient kappa ne va pas bouger selon qu'on change le plongement. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre ? Il y a une autre formule qu'on trouve plus classiquement, mais qui est moins utile et qui concerne la circonférence d'un cercle. C de R égale 2 pi R fois 1 moins kappa R2 sur 2. Ça, c'est la circonférence du cercle de rayon R. J'ai un doute là sur le 2. Peut-être que je me suis planté en recopiant. Je suis plus sûr du 2 qui est là. Le 12, là, j'en suis sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que cette formule, elle est beaucoup plus intuitive que celle-ci. Celle-ci vous donne une information moyennée sur toutes les distances. Celle-ci, elle vous dit vraiment, quand vous avez deux géodésiques, qu'est-ce qui se passe ? Et vous pouvez aussi faire des variantes de la formule dans laquelle l'angle entre les deux géodésiques, il va être égal à θ plutôt qu'à pi sur 2. Donc ça, c'est la courbure de Gauss. De la courbure de Gauss, on déduit facilement la courbure sectionnelle.
courbure sectionnelle. Alors, plusieurs façons de le faire. On va dire comme ça. Courbure sectionnelle en X, le long du plan P. Donc ça, c'est un plan dans TXM. Et on va dire que ce plan, il est engendré par U et V, qui sont pareils, orthogonaux, tout ce que vous voulez. Par définition, on va dire que c'est la courbure de Gauss de la surface qui est obtenue en regardant l'image par application exponentielle du plan P. Autrement dit, partant de X, vous envoyez toutes les géodésiques que vous voulez dans la direction du plan P. Ça vous définit une surface à l'intérieur de votre variété et vous prenez sa courbure de Gauss. Donc ça, c'est pour X appartenant à M, une variété de dimension N. Et ici, P, un plan, hein, donc juste dimension 2. Donc ça c'est une possibilité. Et l'autre possibilité, c'est de reprendre la formule qui est là-haut, exactement la même. On peut aussi se définir par la formule sur l'écartement des géodésiques. Hein, ça sera la même formule ici, que la distance est égale à racine de 2 fois t fois racine de 2t fois 1 moins kappa sur 12t carré. Et le même kappa, vous l'utilisez comme définition de votre courbure sectionnelle dans le plan qui est engendré par U et V. Et sigma x, et ça ne dépend que du plan, pas du choix de U et V. Que du plan P, pas du choix de U et V. Bon, comme on a vu ici, on a cette formule de la distance. On sent bien que ça intervient, la courbure sectionnelle, dans des opérations différentielles faisant intervenir à distance. Et de fait, ça intervient tout le temps, chaque fois que vous regardez la variation seconde de la distance. La hessienne de la distance en fonction du point d'arrivée sont des formules qui font intervenir la courbure de manière explicite ou de manière implicite. Et la courbure sectionnelle, on peut aussi dire ça, c'est qu'elle est liée aux variations secondes de la distance. Genre, vous regardez la fonction distance de x à y, vous dérivez deux fois par rapport à y. C'est le genre de quantité qui s'exprime, qui se contrôle à partir de la courbure. Qu'est-ce qu'on va dire aussi? On va rappeler que les espaces à courbure constante sont classifiés et que localement, ce sont des Rn ou Sn ou Hn, selon que la courbure est nulle, positive ou négative. C'est OK si j'efface ici? Ils sont plus larges, ces tableaux-là. Bon. Et maintenant, on va dire que les inégalités sigma supérieur ou égal à kappa, hein, courbure sectionnelle minorée, et sigma inférieur ou égal à kappa donne lieu à des théories très riches et très différentes. Et ça dépend après des valeurs de kappa qu'on met là, mais il y a un esprit extrêmement différent selon qu'on travaille en courbure minorée ou en courbure majorée. Deux exemples parmi des tas et des tas et des tas. On sait que si sigma, si la courbure sectionnelle est toujours minorée par un nombre kappa strictement positif, alors le diamètre de la variété est inférieur ou égal à π
pi sur racine de kappa, qui exprime, qui on a l'habitude, mais il est remarquable, parce que ça, c'est quelque chose de purement local, et ça, c'est une conséquence globale sur la taille de la variété. Et puis, autre exemple, si sigma est négatif, si la courbure sectionnelle est toujours négative, alors on sait qu'il n'y a jamais de focalisation quand on regarde le déterminant jacobien de la dérivée de l'exponentielle en x. Il est toujours différent de 0, quel que soit v. Ce qui veut dire que quand vous lancez une géodésique à une certaine distance dans votre espace, en faisant varier la vitesse de départ, vous arrivez toujours à faire varier continuellement le point d'arrivée. C'est une propriété qui est fausse sur la sphère, par exemple, parce que si vous partez du pôle sud et que vous lancez le rayon qui va jusqu'au pôle nord, même en le faisant bouger bien au point de départ, vous ferez jamais, vous aurez qu'une toute petite variation au point d'arrivée. Mais c'est vrai en courbure négative. Et là aussi, ça, c'est une propriété qui est globale, qui fait intervenir les propriétés de l'application exponentielle sur des temps qui sont longs, si vous voulez. Et ça, c'est une propriété qui est locale. Donc, dans les deux cas, il y a du local vers global. On va maintenant dire qu'il y a une théorie synthétique associée à ces deux espaces. Théorie synthétique. Je mets au pluriel parce qu'il y en a une pour la courbure minorée et une pour la courbure majorée. Elles se font par comparaison avec les espaces de référence. Et le nom qui est associé, c'est CAT pour Cartan Alexandrov Toponogov. Alors, on va juste donner un exemple. Définissons CAT plus de 0. Alors, je mets le plus ici, ça veut dire que c'est sigma supérieur ou égal à quelque chose, et le quelque chose ici va être 0. Donc, comment on définit CAT plus de 0 et la propriété suivante. Je prends un triangle géodésique. Donc ça, c'est un triangle géodésique dans ma géométrie. Et donc, il a 3 sommets. J'en prends un en particulier et je voudrais de la craie de couleur, voilà. Et je trace la médiane qui va ici, de ce point au milieu du côté opposé. Bon, et maintenant je compare avec l'espace euclidien, E2. Donc ici c'est l'espace de courbure nulle. Et pour comparer, je vais prendre le triangle qui est isométrique à celui-ci. Hein, celui-ci, il va être isométrique. Et je vais regarder la médiane. Ça n'est pas tout l'heure d'une médiane, ça. Ici, la médiane. Bon, si la longueur ici est plus grande que la longueur ici, si la longueur à gauche est plus grande, si la longueur de la médiane à gauche est plus grande que la longueur de la médiane à droite, on dit que le triangle ici est plus gras et on dit que la propriété de comparaison est vérifiée. Longueur de la médiane supérieure ou égale à la longueur de la médiane dans l'espace de référence. OK ? OK. Comme on sait, quand vous portez des cravates, ce qui n'est pas mon cas, la cravate doit toujours aller du col au milieu de la ceinture. Si ça, c'est le triangle, hein, avec la pointe ici, c'est la base. Ça, c'est la longueur de la cravate.
Et un espace 4 plus 0, c'est un espace dans lequel les triangles ont des longues cravates, parce qu'ils sont gras, et donc ils ont besoin d'avoir une cravate assez longue pour aller jusqu'au milieu de la ceinture. Donc vous retenez ça, un espace 4 plus 0, c'est un espace dans lequel les cravates sont grandes, et inversement, un espace 4 moins 0, c'est un espace dans lequel les cravates sont plus courtes qu'elles ne le seraient dans un espace euclidien. Bon, il y a une autre façon, ça c'est une autre possibilité, il y en a plein. Autre possibilité, la somme des angles, c'est dire que la somme des angles est toujours supérieure ou égale à pi. Ça a l'air plus simple, mais quand vous y réfléchissez, ça c'est plus simple parce que ça fait intervenir que des distances, c'est très facile à définir. Tandis que pour définir ça, il faut définir ce que c'est que des angles et ça vous demande déjà un peu plus de complications. Alors, ça c'est un exemple et il y a une théorie très développée des espaces 4 dans un contexte métrique. Et plus précisément, métrique géodésique. C'est-à-dire un espace métrique où vous supposez juste l'existence de géodésique. Un espace métrique où l'on a toujours, où l'on peut toujours relier les points par des géodésiques. Et il y a une référence, il y a une très belle référence pour ça, c'est l'ouvrage de Bourago-Ivanov. Que je vous recommande chaudement. De manière intéressante, l'ouvrage tout du long est plein de propriétés magnifiques. Dans la partie lisse, il est bourré de bugs partout. Il y a une liste comme ça d'errata pour la partie lisse. Et tout ce qui est non lisse, tout marche bien. Ce qui montre que c'est quand il y a des calculs qu'on se plante, pas quand on manipule des propriétés. Topologie. Quelle est la topologie qui va naturellement avec la courbure? Alors, deux réponses possibles très différentes. D'abord, évidemment, topologie C2 sur la métrique. Et naturel pour avoir la conservation de la courbure, le théorème de Gauss. Remarque en passant, il est possible que C1 alpha pour alpha assez proche de 1 suffisent. Il y a des résultats de rigidité liés à la courbure positive qui sont associés à une topologie C1 alpha avec alpha assez proche de 1, mais ce n'est pas démontré que ça vienne avec une conservation de la courbure. Parce qu'il y a des phénomènes de compensation compliqués dans la courbure qui font que ce n'est pas clair que ce soit que ces deux soient une condition nécessaire. Mais en revanche, il y a une autre réponse qui est beaucoup plus molle et générale, c'est pour la théorie synthétique, la topologie de Gromov-Hausdorff. GH. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur la topologie de Gromov-Hausdorff? Parce qu'elle va jouer un rôle important dans la suite. On gardera les définitions pour plus tard, on reviendra dessus, qui en gros impose juste la convergence des distances. La convergence simple des distances.
Bon, et par exemple, si vous êtes dans courbure sectionnelle positive, au sens Kartan-Alexandrov-Topounogov, et que vous convergez au sens de Gromov-Hausdorff vers un truc limite, alors vous savez que aussi vous avez sigma positif à la limite. Donc il y a stabilité des espaces 4 par topologie de Gromov-Hausdorff. Eh bien, là, on a frappé tout ce qu'il fallait sur la courbure sectionnelle. Est-ce qu'il y a des questions? Tout va bien. Alors, on va passer à la courbure de Ricci. De courbure de Ricci. Bon, d'abord, on va voir la définition et les deux calculs fondamentaux. Les deux calculs qui reviennent toujours quand on travaille avec Ricci. Bon, définition, là encore, il y en a plusieurs. Mais partant de la courbure sectionnelle, le plus simple, c'est si je prends x et je me donne un vecteur u de norme égale à 1. Alors, Ricci en x dans la direction u sera égal à la somme pour j allant de 2 à n des courbures sectionnelles entre u et ej, où u égale E1, E2, etc., En, est une base orthonormée de TXM. Autrement dit, je somme les courbures sectionnelles dans toutes les directions. J'apparie ma direction U à n'importe quel autre vecteur, et ça me donne une courbure, et je somme toutes les courbures sectionnelles ainsi obtenues. Ici, c'est pour sectionnel. Donc, en gros, si on veut, et on peut l'exprimer comme ça aussi, je fixe ma direction U, je fais la moyenne de tous les plans qui passent par U, qui contiennent U, et je fais la moyenne de toutes les courbures sectionnelles qui sont associées, ou l'intégrale, quoi. Alors, cela, cette définition s'étend en une forme quadratique sur TXM. Et c'est cette forme quadratique qu'on appelle la courbure de Ricci, ou le tenseur de Ricci. On peut aussi l'écrire sous la forme... Alors, je vais l'écrire en composante. Rij égale la somme sur K des Rikjk, où ceci sont les composantes du tenseur de Riemann. En contractant par rapport à deux indices. Ça, c'est une définition. Et moralement, qu'est-ce qu'elle veut dire, la courbure de Ricci? On va la comparer aux propriétés qu'on a rappelées sur la courbure sectionnelle. Moralement. Donc, ça c'est pour la courbure sectionnelle, ça c'est la courbure de Ricci. La courbure sectionnelle, elle nous dit des choses sur les variations secondes des distances. La courbure de Ricci, elle dit quelque chose sur les variations
secondes des volumes. La courbure sectionnelle, elle était liée à la Hessienne de la fonction distance. La courbure de Ricci, elle sera liée au Laplacien de la fonction distance. Et puis, de manière plus précise, la courbure sectionnelle, elle contrôle l'écartement que deux géodésiques peuvent avoir au temps t si on connaît leur écartement au temps 1. Ça, c'est une façon un peu bizarre, mais qui se quantifie bien de reformuler une propriété de type convexité. Vous voyez, je vais vous tracer des géodésiques typiques de courbure positive. Si vous savez quel est l'écartement au temps t, alors vous savez que l'écartement au temps intermédiaire, disons t sur 2, il ne peut pas être trop petit. Il est au moins d'une certaine quantité. Et un truc comme ça, par exemple, ça serait impossible. Ça, c'est une estimation de courbure positive qui vous le dira. Au contraire, si vous êtes en courbure négative, ça vous dira que l'écartement ne peut pas être plus grand qu'un certain truc. En tout cas, ça contrôle. Ici, c'est par au-dessus ou par en-dessous, selon les cas, selon que c'est estimation minorée ou majorée, par au-dessus ou en dessous cet écartement. Et puis ici, ça va contrôler la distorsion des volumes de l'application géodésique, de l'application exponentielle, application géodésique, au temps t, sachant la distorsion au temps 1. Voilà, ça c'est un peu le tableau à garder en tête, et on va donner des théorèmes précis par rapport à ça. Et il y a un truc qu'il faut garder tout le temps en tête, c'est que sigma minoré, ça marche bien, il y a toute une théorie. Sigma majoré, il y a toute une théorie. Ricci minoré, il y a toute une théorie et tout. Mais Ricci majoré, on sait, ça ne marche pas. En tout cas, aucune conséquence, aucune théorie géométrique, on va dire, raisonnable. Il y a des conséquences analytiques, mais il n'y a rien qui marche, et en particulier rien qui marche du point de vue synthétique. Ça correspond aussi à ce que je disais, local vers global. Si vous avez une propriété typique de courbure positive, localement, ça s'étend quelque chose de global. Ici, pareil, mais ici, ça ne s'étend pas. Ça ne marche pas. Et on verra très précisément à quel endroit ça ne marche pas. Alors, quelques formules liées à Ricci, telles qu'on peut les trouver. Alors, deux formules qui illustrent ce qu'on vient de dire. La première, liée au Laplacien de la métrique. Dans un jeu de coordonnées géodésiques centrées en X, Ricci en X s'écrit en composante Rij égale moins 3/2 de Laplacien Jij. Juste au point X. Et donc, à l'ordre dominant, ça correspond effectivement à prendre le Laplacien de la métrique. Et puis, une autre formule au voisinage de X. Volume de dx est à peu près, alors au voisinage de, voilà, volume de dx
au voisinage de x0, on va dire, est égal à 1 moins 1 sixième de Ricci appliqué à x moins x0. On voit ça comme un vecteur infinitésimalement. Plus grand taux de x moins x0 cube, tout ça multiplié par dx. Donc au voisinage de x0, si vous voulez, qu'est-ce qu'on va dire ? La densité de la formule, de la forme volume, par rapport à la mesure de Lebesgue dans les cartes, ici c'est le premier ordre qui change, ça c'est quadratique en x moins x0. Et c'est Ricci qui le donne. Alors ça, c'est des formules. Maintenant, en pratique, Ricci intervient dans deux calculs. L'un, c'est le déterminant jacobien de l'exponentielle, de l'application exponentielle. Et le deuxième, c'est la formule de Borner. Bon, et ce qu'il faut savoir aussi avec ces deux calculs, c'est qu'ils sont équivalents. Vous pouvez passer de l'un à l'autre et réciproquement. Donc, en fait, c'est le même calcul. Et on va détailler le premier et déduire le second du premier. Alors, on va, pour Borner, pour les informes, et même je me limiterai à des formes, à des gradients. Mais oui, tout à fait. Parce qu'après, effectivement, il y a toute une famille de Borner qui sont toutes des communes. Voilà, c'est ça. Alors, on y va sur le déterminant jacobien. Alors, je me donne xi un champ de vecteurs. Au voisinage de x appartenant à M. Et je regarde t indice t de x égale exponentielle x t xi de x. Hein, donc là, ça c'est x, et là c'est xi de x. Et hop, je me déplace le long de la géodésie qui part avec la vitesse initiale xi. Et puis un peu après, là j'ai x', là j'ai xi de x', et je me déplace le long de cette géodésique et j'arrive ailleurs. Question, comment est-ce que ceci va déformer les volumes ? Distorsion de volume associée à ça. Évidemment, ça dépend de xi, mais ça dépend aussi de la géométrie. Selon que les géodésiques ont tendance à s'écarter ou à se rapprocher. Et donc, notre problème, c'est de calculer déterminant de dx, tt de x. Le calculer ou de l'estimer. Bon. Alors, pour résoudre ce problème, il est très commode de se placer dans un repère mobile. Donc, ça, c'est ma géodésique. Et je vais mettre dessus une petite base orthonormée. Je vais l'appeler E ici. Hein, c'est la base E égale E1, etc., En. Et le premier vecteur de la base correspondra à la direction. Donc E1 sera égal à xi de 0, xi de x, normalisé par xi de x. OK. Bon. Et je la transporte par transport parallèle tout le long de la géodésique gamma. Transport parallèle de Lévi-Civita. Donc, je vous rappelle, c'est un transport qui préserve tous les produits scalaires, de sorte que la base orthonormée reste une base orthonormée, elle reste posée sur la géodésique, et ainsi de suite.
Et on va maintenant regarder, ici j'ai x, le point qui est ici, je vais l'appeler x plus delta E2. Ici, mettons qu'il y aura x plus delta E3, et ainsi de suite, des petites variations dans la direction E2, E3, et ainsi de suite. Et je vais regarder comment sont les images, et le parallélépipède qui est là au départ, qui est une base orthonormée, quand je vais le regarder à l'arrivée, il sera déformé, au premier ordre, ça sera encore un parallélépipède, mais il aura pris une ampleur différente à cause de la courbure. Donc ici, infinitésimalement, l'image de TT, si on veut, de x plus delta E1, etc., x plus delta En. Bon, et ce qui m'intéresse, c'est de faire le rapport entre le volume de ce nouveau parallélépipède et le volume de la base orthonormée, qui, lui, n'a pas changé. Alors, je vais noter Ji les variations dans la direction EI. D'abord, je vais dire que au début, le côté et delta EI, disons, dans la direction I ici, et à l'arrivée, ben, le côté, ça va être dx, delta fois dx, tt de x, appliqué à EI, par définition, l'application différentielle. On note ji de x, soit ji de tx, la dérivée, en delta égale 0, de tt de x plus delta EI. Donc, ce qui nous intéresse là, ce sont des variations géodésiques. Et donc, ils obéissent, comme toutes les variations géodésiques, à l'équation de Jacobi, qui vous dit que si on écrit Ji dans la base mobile EI de T, que je vais appeler EI de TX, obtenu donc par transport parallèle, avec donc des coordonnées Jij, la matrice J, ainsi obtenue, J égale Jij, qui pour le coup est une brave matrice n croix n avec des coefficients qui dépendent de T, vérifie J point point de T plus R de T, J de T égale 0. Où R de T est une certaine matrice, qui contient la géométrie, et Rij de T est égal à tenseur de Riemann appliqué à gamma point et à EI, appliqué à gamma point contracté avec EJ. Voilà. Alors, ici, il n'y a que la géométrie qui intervient, évidemment, là-dedans, les propriétés de Xi n'ont aucune importance, si il va se réinviter uniquement par les conditions initiales. Parce que on va devoir donner des valeurs initiales à J, de 0, à J et à sa dérivée, et c'est là que Xi va revenir. Alors, avant de continuer, il faut savoir que Rij égale Rji, et que la trace de R est égale à la courbure de Ricci dans la direction gamma point. Alors, on continue et on se demande maintenant quelles sont les conditions initiales.
là, on a une équation du second ordre. Pour la résoudre uniquement, il nous faut les conditions initiales, donc J de 0 et puis J point de 0. Alors, on se souvient que Tt de x est égal à exponentielle x txi de x. En particulier, T0 de x est égal à x. Ce qui nous montre bien que J de 0 est égal à identité. Et puis, maintenant, si on regarde J point de 0, ben, ça revient à faire juste un coup. Hein, pour t petit, on va juste regarder x plus txi de x. Donc en t petit, on va noter ça x plus txi de x. Et si on regarde la variation de ça, la dérivée de ça par rapport à t, c'est xi, la variation de la dérivée de ça par rapport à t, ça va être la différentielle de xi, ou le gradient de xi, selon que vous choisissez, selon le formalisme que vous choisissez. Donc on va dire j point de xi est égal à gradient de xi. On va appeler ça gradient covariant. En tout cas, l'opérateur qui, quand on lui applique EI, vous renvoie la variation de xi dans la direction EI. Et gradient opérateur vu en tant qu'opérateur TXM dans TXM. Et nous y voilà. On a presque fini de résoudre notre petit problème, donc on récapitule. Et celui-ci, on l'exprimait, pour aller au bout de la logique, on l'exprimera dans la base des EI. Donc, on a notre équation différentielle du second ordre. On a la condition initiale, on a la condition initiale pour la dérivée. Eh bien, c'est bien. En principe, à partir de ça, on peut calculer grand J de t de x. Et ce qui nous intéresse, c'est le déterminant de grand J de t de x. On va le noter J calligraphié de t de x. C'est ce déterminant qui nous intéresse. Et on va dériver un déterminant. Ça, on sait faire. D sur dt J de tx est égal à J de Tx fois trace de J de Tx, J moins 1 de Tx. J point de Tx, J moins 1 de Tx. OK. Donc notre boulot, c'est d'estimer ça. Ça, on va lui donner un nom. On va l'appeler grand U de Tx. Et puis on va sous-entendre les x, on verra la dépendance par rapport à t. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'avoir accès à la trace de U. Alors, on dérive U. U est égal à J point J moins 1. U point est égal à J point point J moins 1 moins J point J moins 1 J point J moins 1. Et ça, ce n'est autre que u carré. Et puis, j point point j moins 1, si on se reporte à l'équation qui est là, ce n'est autre que moins r. D'où l'équation u point plus u carré plus r égale 0. Équation premier ordre de type Riccati à valeur matricielle, n fois n. Tout est dans cette équation. Tout ce qu'on fait après, tout ce qu'on fait sur la courbure de Ricci, à la fin, ça se ramène à cette équation-là. Alors, ce qui nous intéresse, c'est pas tant U point que sa trace. Et donc, on va prendre la trace de ça. Alors, la trace de U point, ça va être pareil que la dérivée de la trace.
Ici, la trace de u carré, je ne peux pas faire grand-chose que le laisser comme ça. Et ici, la trace de r, ben, on se souvient que c'est égal à Ricci. Ricci dans quelle direction? Ben, dans la direction du mouvement, gamma point. Alors, je note ici gamma de t égale exponentielle x txi de x. Et donc, tout ça est égal à 0. Et on se souvient que d sur dt de trace de u, c'est le calcul qu'on avait fait, c'est pareil que j point sur j, la dérivée logarithmique du déterminant jacobien. Bon, et bien voilà ce à quoi on est arrivé. J point sur j, d sur dt de... c'est ça, je dis pas de bêtises. J point sur j égale trace de u, voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est d sur dt de j point sur j. Voilà. OK. Alors, question, que faire de ça? Supposons que le champ de vecteur prend la forme d'un gradient. Alors, le gradient de xi n'est autre que l'opérateur hessien associé à psi, et c'est un opérateur symétrique. D'où j de 0 et j point de 0 sont symétriques. Et quand vous rajoutez à ça l'équation j point point plus rj égale 0, et le fait que R soit symétrique, ça implique que J de T, ça implique que J de T, oui, non, je suis en train de vous raconter des salades, c'est pas J de T, c'est U de T qu'il faut montrer qui est symétrique. Alors ici, J point point, J de 0, J point point de 0 symétrique, donc U de 0 est symétrique. Et comme U vérifie l'équation U point plus U carré plus R égale 0, ici il y a un terme source qui est symétrique, ici ça reste symétrique tant que U est symétrique, ça c'est une équation qui préserve la symétrie, et donc U de T reste symétrique pour tous les temps. Voilà. Alors, quel est l'intérêt de savoir que U est symétrique? Ben, ça vous donne accès à une inégalité. Alors, vous avez trace de U carré supérieure ou égale à trace de U au carré divisé par N. Et c'est exactement ici qu'on perd l'égalité dans tous les calculs liés à Ricci. Et qu'on n'arrivera jamais à récupérer ça pour avoir une bonne théorie de Ricci majorée. Une fois qu'on est arrivé là, tout va bien. La trace de U, on peut la réécrire comme J point sur J. Et on va se retrouver avec une inégalité fermée sur les variations de J. Donc, d sur dt de j point sur j plus 1 sur n, j point sur j carré plus Ricci est inférieur ou égal à 0. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais on voit qu'on a quelque chose qui est du second ordre par rapport au déterminant jacobien. Quelque chose qui a une non-linéarité qui nous fait penser à Riccati, et avec une courbure de Ricci qui est en termes source. Et ça, c'est une inégalité fondamentale pour l'interprétation de Ricci. Alors, il y a plusieurs façons de reformuler ça, et elles sont toutes utiles. On peut reformuler cela de trois façons utiles. L'une, en termes de J, comme précédemment, J point point sur J moins 1 moins 1 sur N
j point carré, j point sur j carré est inférieur ou égal à moins Ricci. Une autre qui, elle, fait intervenir ce qu'on notera d égale j puissance 1 sur n. Si vous voulez, c'est une distorsion moyenne. Et ça sera d point point sur d est inférieur ou égal à moins Ricci divisé par n. Et puis la troisième, qui elle fera intervenir L égale moins le logarithme de J. Si vous voulez, c'est ce qui correspondrait à un taux de compression exponentielle associé à J. Et cette fois-ci, la formule, ça sera L point point supérieur ou égal à L point carré sur N plus Ricci. Alors, exemple, supposons que xi est, si on veut, infinitésimalement orthogonal à une petite hypersurface, hein, qu'on a quelque chose comme ça. Tac, 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 ici, xi. Et supposons que xi soit constant, xi infinitésimalement constant, juste au voisinage du point x, hein, parce que j'obtiens, mettons que ici j'ai mon point x, et puis les autres, je les obtiens par transport parallèle, de sorte que j'ai ici des géodésiques qui viennent traverser la surface orthogonalement. Et au bout d'un petit temps t, j'obtiens une nouvelle hypersurface qui est obtenue par déformation. Et si je regarde, si je prolonge un peu cette hypersurface dans la direction du transport, un petit hypercube qui est là, un petit cube qui est là, va être transporté d'un petit cube qui est là. Et on se demande comment est-ce que le volume correspondant est déformé. Et la réponse, c'est que dans ce cas-là, j de t sera égal à j de 0 fois 1 moins Ricci dans la direction xi, t carré sur 2, plus grand taux de t cube. Parce que le premier terme j point, à ce moment-là, il sera égal à 0. J point de 0 sera égal à 0. Si vous reprenez les définitions qu'on vient de donner, ça s'imposera. Et ça, c'est pris parfois comme une définition de la courbure de Ricci, soit comme ici avec le déterminant jacobien, soit juste avec l'hypersurface. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans la direction du transport ne compte pas, on pourrait regarder juste la surface de l'hypersurface et la façon dont elle est déformée par Ricci. Alors voilà, ça c'est pour le déterminant jacobien de l'exponentielle. Et maintenant on va faire le deuxième calcul, c'est la formule de Bochner. Alors, on peut l'établir indépendamment, hein, mais on peut aussi le déduire du calcul précédent, et c'est ça qu'on va faire. Et on va dire qu'on l'obtient à partir du calcul précédent par dualité de l'Euler-Lagrange. Par dualité Euler, on va dire Lagrange-Euler. Alors, quand on dit Lagrange-Euler, je fais allusion à la mécanique des fluides. Point de vue lagrangien, on suit les particules le long de leur trajectoire. Point de vue eulérien, on s'intéresse qu'au champ de vitesse des particules dans un fluide. Donc ici, j'ai un gamma de Tx qui correspond à la position au temps t de la particule qui était initialement au point x, alors que dans Euler, on s'intéresse qu'à un champ de vitesse qui dépend de t et qui dépend de x. Donc ça, c'est un champ de vitesse en x au temps t,
Et ça, c'est une position en T partant de X. Bon. Et la façon de faire le lien entre les deux, c'est que xi de T, gamma de T, est égal à D sur DT de gamma de T, X. Si on veut, on peut mettre X ici. Hein? Comme on apprend dans les cours d'équations différentielles, ça c'est le flot. Ici, gamma de TX serait le flot associé au champ de vecteur xi. Alors, nous on est parti avec juste un champ de vecteur xi, indépendant, il n'y avait pas de notion de temps. Mais on peut se dire, au fur et à mesure que les trajectoires avancent en fonction du temps, est-ce qu'on ne pourrait pas modifier notre champ de vecteur xi, le faire évoluer, de façon qu'à chaque instant t, ça soit comme si on était à l'instant initial. Et ça correspondrait à prendre le champ de vitesse des géodésiques évoluant avec le temps t. Alors, d'où la question de base de géométrie différentielle. Vous avez un champ de géodésique, vous connaissez le champ de vecteur initial, quel est le champ de vecteur au temps t? Et la réponse que vous obtenez en dérivant ça par rapport au temps, hein, comme gamma point point est égal à 0, ça c'est l'équation des géodésiques, vous trouvez que la dérivée de ça par rapport au temps doit être égale à 0, et si on dérive ça par rapport à 0, ça nous fait quoi? Ben, d rond t xi plus la dérivée de xi dans la direction gamma, qu'on note souvent dérivée de xi dans la direction xi, ou encore xi scalaire gradient xi. Ça, c'est comme dans, et c'est comme dans l'équation de l'air, la dérivée convective de u le long de u. Donc, ça, ce sont les équations correspondantes pour le champ de vecteur xi. Et l'idée, c'est qu'on va faire évoluer le champ de vecteur xi et qu'on va voir ce qui sort. Et on va en retirer une formule valable pour tous les temps. Alors, écrivons ce qu'il en sort. Alors, si on se souvient de la définition J point de 0x est égal à gradient xi J de 0x, c'est ça qu'on avait tout à l'heure, ou encore gradient xi est égal à J point J moins 1, hein, c'était égal à U en t égale 0. Eh bien, si on impose d rond t xi plus xi scalaire gradient xi égale 0, cette identité va se propager au fur et à mesure du temps et on trouvera gradient xi de tx est égal à u de tx. Ici, attention, j'ai bien mis la dépendance en temps du xi. Alors, maintenant, traduisons les différentes formules qu'on avait tout à l'heure. Vous vous souvenez de l'équation qu'on avait? On avait une différent d sur dt de la trace de u, et on avait une trace de u carré. Donc trace de u carré va devenir trace de gradient xi carré. Et puis d sur dt de la trace de u va être égal à quoi? C'est ici que trace de u. Trace de u, c'est donc la trace du gradient de xi, c'est pareil que la divergence de xi. Et quand j'écris ça, c'est le long du mouvement. Donc j'écris de manière explicite d sur dt de divergence xi de t gamma de t. Et quand je vais faire la dérivée, la dérivée en temps va intervenir deux fois, une fois ici et une fois là. Donc je vais avoir une divergence de d rond t xi plus un gamma point scalaire gradient
divergence de xi. Et gamma point, c'est pareil que xi, donc ça, ça va être pareil que xi scalaire gradient divergence de xi. Et déronté xi, on a vu que c'était moins xi scalaire gradient xi. Alors, on réécrit tout ce qu'on a obtenu. Moins divergence de xi scalaire gradient xi plus xi scalaire gradient divergence de xi plus trace de gradient xi carré plus Ricci dans la direction xi est égal à 0. Bon. Alors ça, peut-être qu'elle aura l'air un peu horrible aux yeux de certains comme ça, mais c'est la formule de Bochner. Alors, ici, elle est écrite pour un xi qui est un champ de vecteurs, ou si vous voulez, une informe quelconque. Elle va simplifier si on prend xi qui est sous la forme d'un gradient. Si xi égale gradient psi. Alors, ça va... qu'est-ce qu'on va dire en particulier? Ouais, ça va devenir pareil que le gradient de norme de xi carré sur 2. Et ici, la trace du carré du carré de la Hessienne, ça va se transformer en une norme Hilbert-Schmidt. Vous faites les comptes et vous trouvez que cela devient moins laplacien de gradient psi carré sur 2 plus gradient psi scalaire gradient laplacien psi plus norme de Hessienne de psi au carré plus Ricci de gradient psi est égal à 0. Voilà. Alors, est-ce qu'on comprend bien tout? Ça, c'est laplacien qui est associé à la structure riemannienne de la variété, hein, l'opérateur de Laplace-Beltrami, qui est aussi la divergence du gradient covariant. Ici, on a le brave produit scalaire. Quand on met produit scalaire, ici, c'est la métrique du gradient avec le gradient du laplacien psi. Ça, c'est la norme de Hilbert-Schmidt au carré, autrement dit, la trace. Hein, je dis juste norme de M au carré égale trace de transposé de M fois M. Et puis là, c'est la forme, une forme quadratique associée au Ricci. On peut interpréter ça donc comme une relation de commutation entre des dérivés d'ordre 2 et 3 de la fonction psi, une formule de commutation quadratique un peu bizarre, d'où sort un terme de Ricci, qui est dû à la courbure. Et évidemment, à travers le fait que derrière les opérateurs de Laplacien et tout ça, la structure riemannienne est sous-jacente. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Ici, on est cette formule sur le plan logique, donc vous avez vu, elle est sur le même plan que des surdités de trace de U plus trace de U carré plus Ricci égale 0. Et ce n'est pas une formule, tout à l'heure on avait dit c'est embêtant qu'on n'avait pas une formule fermée sur le Laplacien, sur le déterminant jacobien. Ici, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est une formule fermée faisant intervenir les trucs qu'on aime bien comme le gradient et le Laplacien. Lambda de Hilbert-Schmidt, là on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Et donc c'est ça qu'on va maintenant faire. Quelle inégalité on peut en sortir? Puis d'abord je vais faire un petit schéma pour résumer. Pour résumer, on a vu tout à l'heure, on s'est intéressé à J de T égale déterminant Jacques de Dx exponentielle x T grade psi de x. On avait J égale, et on avait J point sur J est égal à trace de U, et on avait une équation qui était d sur dt de trace de U plus trace de U carré plus
plus Ricci égale 0. Et bien donc, ce qu'on a vu, c'est que cette équation est équivalente à Bochner, ou à la place de grade psi carré sur 2, plus grade psi, scalaire gradient laplacien psi, plus norme de Hessienne psi au carré, plus Ricci égale 0. Et ce qui fait le lien entre les deux, c'est l'équation qu'on avait tout à l'heure. Alors, ce qu'on avait tout à l'heure comme équation, c'est Déronté xi plus xi scalaire gradient xi égale 0. Maintenant, si vous cherchez xi sous la forme gradient psi, dépendant de t, dépendant de x, ben vous trouvez que c'est satisfait pour l'équation de Hamilton-Jacobi, Déronté psi plus gradient psi carré sur 2 égale 0. Donc, c'est ça qui vous permet de faire le pont entre les deux. L'évolution de psi selon l'équation Déronté psi plus grade psi carré sur 2 égale 0, et qui rend les deux volets équivalents. Alors, on y est presque. On y est presque. De là, on peut déduire une inégalité de Bochner. Bon, et là, on avait une inégalité, je vous en ai donné plusieurs. Par exemple, L point point supérieur ou égal à L point carré sur n plus Ricci, etc. Ici, on peut sortir une inégalité qui sera moins laplacien grade psi carré sur 2 plus grade psi gradient laplacien psi plus laplacien psi carré sur n correspond à appliquer Cauchy-Schwarz dans ce terme plus Ricci est inférieur ou égal à 0. Et là, on a quelque chose qui ne fait plus intervenir la Hessienne, mais qui fait intervenir le laplacien et le gradient. OK. So far, so good. Alors, grande 2-3, variations et raffinements. Premier raffinement possible, on peut enlever la direction du transport. Car la courbure ne se fait pas sentir dans la direction du transport. Du déplacement géodésique. Bon, ça veut dire quoi? Peut-être, je suis sur ma variété riemannienne, là... Je regarde la distance entre deux points, si vous voulez. Peut-être qu'elle va rétrécir, peut-être qu'elle va augmenter en fonction de la courbure. Mais si je regarde deux points qui sont sur une géodésique, ben, si je transporte le long de cette géodésique, la distance entre les deux points ne variera jamais. Les effets du transport ne se font pas sentir dans la direction dans laquelle on se déplace. Et on peut, à partir de là, enlever cette direction du transport avec une petite gymnastique. Alors, si vous écrivez la matrice U de T, celle qu'on avait tout à l'heure, sous la forme, disons, il y aurait un premier coefficient qui correspondrait au transport dans la direction parallèle, ici des trucs, ici un truc qui serait U dans la direction orthogonale. Les coefficients ici, a priori, ne sont pas nuls. Mais on va écrire J parallèle de T égale exponentielle intégrale de 0 à T de U parallèle de S dS. Et J de T égale J parallèle de T fois J orthogonale de T, où ça sera la définition de J orthogonale de T, la distorsion telle qu'elle est sentie orthogonalement à la direction de déplacement. Bon, et bien vous refaites les calculs, il y a une petite gymnastique, vous en déduisez pareil L orthogonale qui sera moins log J orthogonale,
ou encore D orthogonal, qui sera la distorsion typique, J orthogonal, attention, cette fois puissance 1 sur n moins 1, et pas 1 sur n, et vous trouvez des inégalités qui ressemblent beaucoup à celles qu'on a eues. Par exemple, L point point orthogonal supérieur ou égal à L point orthogonal carré sur n moins 1 plus Ricci. Ou encore, D orthogonal point point sur D orthogonal inférieur ou égal à moins Ricci sur n moins 1. Donc ça, c'est un premier raffinement possible. Quand vous regardez cette inégalité-là, vous avez l'impression qu'elle est strictement meilleure que la précédente, mais en fait, les deux sont équivalentes. Quand vous voulez rerajouter la direction du transport, vous retrouvez l'inégalité précédente. Vous allez me dire, est-ce que c'est intéressant? Et la réponse est oui, c'est intéressant, et c'est associé souvent à des raffinements de constantes. Exemple où la nuance est importante. Bon, regardons l'équation L point point supérieure ou égale à L point carré sur n plus k, avec k strictement positif. Bon, ça c'est une équation de Riccati. Oubliez le k. Vous avez un truc du genre L point point supérieur égal à L point carré, ça c'est un truc qui a tendance à exploser. C'est la même forme que X point égale X carré, sauf que ici X, ça serait L point. Si ça explose, c'est qu'il n'est pas défini sur tous les temps. Si ici on rajoute un truc qui est strictement positif, on a envie de dire que c'est encore pire. Et de fait, en étudiant cette équation, vous pouvez en déduire, on peut montrer que les solutions ne sont pas définies sur un intervalle de temps plus long que pi racine de n sur k. Bon, et ça nous fait penser à quelque chose. Et le quelque chose, c'est le théorème de Bonnet-Myers, sauf que ce n'est pas la bonne constante. La bonne constante, ça serait pi racine de n moins 1 sur k. Ceci nous montre que le diamètre de M est inférieur ou égal à pi racine de n sur k. Mais la bonne constante, Bonnet-Myers, est pi racine de n moins 1 sur k. Et cette bonne constante, vous l'obtenez en regardant juste la direction orthogonale. On la trouve effectivement en étudiant l'équation vérifiée par L orthogonale. Bon, donc ça, c'est le premier raffinement. Deuxième raffinement possible, qui serait, si on veut, une variante, on peut changer la mesure de référence et la dimension de référence. Changer la mesure de référence, pourquoi? Déterminant jacobien, c'est une comparaison de volume. Déterminant jacobien d'une application T, c'est égal à la limite du volume de T de BR sur le volume de BR quand R tend vers 0. Donc il y a le volume qui intervient là-dedans. Mais peut-être que je suis dans un problème où ce n'est pas le volume qui est intéressant, mais c'est une autre mesure de référence. On voudrait avoir une notion plus générale
pour un autre volume, pour une mesure. Alors, on ne va pas la prendre quand même n'importe comment, on va dire qu'elle est gentille par rapport à la mesure volume, et donc on va même supposer qu'elle a une densité exponentielle moins V par rapport au volume. Et donc ça va tordre un peu tous les volumes, un peu tous les trucs, mais on aimerait bien en tenir compte. Et puis, si le volume est remplacé par exponentielle moins V de X, on aimerait aussi remplacer l'opérateur laplacien par laplacien moins grade V scalaire gradient, qui est l'opérateur naturel dont ceci est la mesure invariante. Dont ceci est la mesure invariante. Dans la formule de Born, par exemple. Et puis, aussi, la dimension, peut-être qu'on ne la connaît pas a priori. Quand on raisonne en termes de volume, on n'a pas donné la dimension à la page de rôle particulier. Peut-être qu'on est en train de comparer des variétés qui ont des dimensions différentes. Peut-être aussi, comme ça arrive souvent quand on fait de la convergence d'espace, vous avez des espaces d'une certaine dimension qui convergent vers un espace de dimension plus petite ou plus grande. En l'occurrence, ce sera plus petite dans les cas qu'on considérera. Mais dans ce cas-là, vos inégalités, vous aimeriez bien dire qu'un espace va venir comme limite d'une suite d'espaces de grande dimension et faire quelque chose avec ça. Exemple typique, la gaussienne, c'est la projection d'une sphère de très grande dimension. Donc vous aurez envie tout naturellement de faire des comparaisons avec des dimensions qui ne sont pas la dimension de l'espace limite. Autre exemple, gamma de dx égale exponentielle moins x2 sur 2 sur racine de 2 pi dx et projection de sphère de très grande dimension. Et on aimerait bien faire des comparaisons entre cet espace-là et celle-ci, avec lesquelles on voudrait comparer. Bon, alors vous vous dites, je veux garder toute ma belle algèbre qui marche bien avec Bochner et tout ça, toutes les jolies inégalités, mais en changeant éventuellement la mesure de référence et la dimension. Et le problème qui se pose à vous est le suivant. Comment faire pour garder les bonnes formules ? Alors les bonnes formules, ça veut dire quoi ? L point point supérieur ou égal à L point carré sur grand N plus quelque chose, où le grand N ici, c'est un machin arbitraire. Et le L point point ici, il incorpore la mesure nu, dans la définition du volume jacobien. Et puis, même chose, je voudrais avoir L grade psi carré sur 2 moins grade psi scalaire gradient L psi supérieur ou égal à L psi carré sur N plus quelque chose. Bon. Où L est l'opérateur laplacien moins grade V scalaire gradient. Alors, cette combinaison-là qui intervient tout le temps, on lui donne un nom, on l'appelle gamma 2 de psi. On va le prendre comme définition. Il faut lui penser comme une sorte de commutation entre l'opération prendre le gradient au carré et d'appliquer L. Si L était une dérivation, ça, ce serait égal à 0. Comme elle n'est pas une dérivation, il y a un reste. Et ce reste, on l'appelle gamma 2. Alors, la solution, c'est de remplacer Ricci par Ricci n nu, qui dépend de n, qui dépend de nu. Une façon simple, c'est Ricci plus la Sn de V, moins grade V tenseur grade V, divisé par grand N moins petit n. Et ça, ça marche dès que, disons, n est strictement supérieur à n,
où n égale n et v égale 0. Et alors, vous avez tout ce que vous voulez. Alors, on a L point point supérieur ou égal à L point carré sur N. Je mets un petit nu ici pour rappeler que la définition du L, c'est le déterminant jacobien où on tient compte du mesure du volume nu, plus Ricci N nu. On a moins et on a gamma 2 de psi supérieur ou égal à L psi carré sur N plus Ricci N nu. Et puis les autres formules que j'ai données aussi, etc., elles s'adaptent. Et puis on peut aussi enlever une dimension si on veut. On peut enlever une direction. Donc ça c'est le deuxième raffinement. De 4, la condition CD de Kn, ben c'est celle qu'on vient d'écrire. Moralement, ça dit Ricci supérieur ou égal à K, dimension inférieure ou égale à grand N, mais on ne cherche pas à séparer la bande sur la dimension de la bande sur Ricci. Elles viennent toutes les deux ensemble. Et par définition, Mg nu vérifie CD de Kn. Alors ici, Mg, c'est une variété riemannienne lisse. Et nu, c'est exponentielle moins V fois le volume, V est lisse. Tout est lisse ici. Si elle vérifie l'une des conditions équivalentes suivantes. Alors, on peut faire une longue liste. Je vais donner les principales. La première, c'est gamma 2 de psi supérieur ou égal à k grade psi carré plus L psi carré sur n, quel que soit psi. La deuxième, c'est L point point supérieur ou égal à L point carré sur n plus k gamma point carré, avec les mêmes notations que dans le calcul sur le déterminant jacobien. La troisième, c'est Ricci n nu supérieur ou égal à k fois g, la métrique riemannienne. La quatrième, c'est d point point, je vais l'écrire ici, d point point sur d inférieur ou égal à moins k sur n gamma point carré. Ça, c'est si n est fini. La quatrième, ça serait, la dernière, ça serait L point point orthogonal supérieur ou égal à L point orthogonal carré divisé par grand N moins 1 plus K gamma point carré. Bon, et pour en écrire d'autres et ainsi de suite, toutes ces propriétés sont équivalentes et elles vous traduisent le fait qu'il y a une borne inférieure sur Ricci, une borne supérieure sur la dimension. Ici, K, c'est n'importe quoi dans R, n'importe quel nombre, et grand N est supérieur ou égal à petit n. Bon, beaucoup de définitions. Est arrivé le moment de donner des exemples. Et on va ici donner les exemples les plus importants, qui sont les espaces de référence. Et l'idée général, c'est que CD de Kn, pour énormément de choses, permet de comparer l'espace qui vous intéresse à l'espace de référence. Donc, la philosophie,
si M vérifie CD de Kn, alors ses propriétés analytiques, géométriques, disons pour beaucoup de phénomènes, seront au moins aussi bonnes que celle de l'espace de référence. Espace de référence que je vais noter S, Kn, l'espace auquel on va le comparer. Tout à l'heure, courbure sectionnelle, je vous ai dit, ben, pour le définir, on compare la forme des triangles à la forme des triangles dans le plan. Ben, ici, on va comparer systématiquement à un espace de référence Kn qui va bien. Quel est cet espace de référence? Ben, ce sont les espaces, espaces de référence SKN, de sigma égale constante. Donc, les espaces de référence les plus naturels vont être la sphère de dimension n de rayon racine de n-1 sur k, si k est positif et n appartient à grand N, ou l'espace euclidien de dimension n, si k égale 0 et n appartient à grand N, ou l'espace hyperbolique de rayon hyperbolique racine de n-1 sur k, si k est strictement négatif et n est fini. Ça, ça vous donne des espaces modèles pour toutes les valeurs entières de n. Mais il y a aussi des espaces modèles correspondant à n infini et correspondant à n fractionnaire. Et en fait, il y a une famille naturelle d'espaces de dimension 1 qu'on obtient en projetant les espaces modèles sur une droite. Il y a aussi les espaces monodimensionnels. On va les appeler SKN1, 1D, défini par... Alors par quoi? Ben, en courbure positive, sur l'intervalle moins racine de N-1 sur K, pi sur 2 fois pi sur 2, plus racine de N-1 sur K, pi sur 2, ça n'a pas d'importance que vous fermiez ou que vous ouvriez les crochets ici, avec la mesure nu de dx est égale à cosinus n-1, puissance n-1, de racine de k sur n-1 x dx. Je n'ai pas précisé ici, mais pour tous ces espaces, c'est la mesure de référence volume qu'on prend. Ici, en revanche, ce n'est pas du tout la mesure volume qu'on prend, c'est une mesure qui a une densité. Et donc ça, ça marche si k est strictement positif. Et n appartient à 1 plus l'infini. Maintenant, k nul, ben, on va prendre r. Et on va le munir de... Alors d'abord, k négatif, on va le munir de cosinus hyperbolique racine de valeur absolue de k sur n-1 x dx. Ça, c'est pour k négatif. Je vais prendre r plus muni de x puissance n-1 dx pour k égale 0. Et puis, je vais prendre pour finir r muni de exponentielle moins k x2 sur 2 dx pour n égale l'infini. Ça, c'est n fini, ça, c'est n fini. Et n infini, k n'importe comment dans r. Voilà, donc là, vous avez encore des espaces. Dans ces espaces, ben, ça va être très facile, par exemple, d'étudier des propriétés spectrales, des propriétés isométriques, isopérimétriques, ou ce que vous voulez. Et l'idée, c'est que CD de Kn
va se comparer à ces espaces de va permettre de comparer la variété à ces espaces de référence. Alors, je vais prendre 5 minutes, pas plus, pour donner deux exemples et deux propriétés. Alors, deux propriétés qui font le lien avec d'autres géométries. Premièrement, 4 plus kappa implique CD de n. Enfin, ici, juste sigma supérieur ou égal à kappa implique CD de n, n moins 1 kappa. C'est normal, Ricci est obtenu en ajoutant des courbures sectionnelles. Donc si vous faites une hypothèse de minoration sur chaque courbure sectionnelle, ça doit imposer une hypothèse de minoration sur chaque courbure de Ricci, si c'est lisse. On verra à la fin du cours que c'est vrai aussi si c'est non lisse, ça sera autrement plus du sport. Alors, et puis, l'autre propriété, c'est que dire que M est CD de n-1n, est équivalent à dire que le cône métrique construit sur M est CD 0 n plus 1. Et bien sûr, on peut toujours s'y ramener à partir de CD nk, CD kn, si k est positif. Par un changement d'échelle, juste en dilatant ou en contractant les distances. Bon, alors ici, il y a quand même, je triche un peu quand j'écris ça, parce que le cône construit sur M, en général, il n'est pas lisse. Il y a cependant un cas dans lequel le cône est évidemment lisse, et c'est le cas archétypal, c'est quand je prends M, qui est la sphère. Le cône construit sur la sphère, c'est l'espace euclidien. Et l'espace euclidien, il est évidemment C0 n plus 1. Donc, exemple, la sphère Sn a sa courbure de Ricci qui est comme n moins 1, et le cône, ben, c'est Rn, ou l'espace euclidien E n plus 1 tout entier, qui n'a pas de courbure. Bon, et alors, avant de donner une liste la prochaine fois plus longue de propriétés qui se prêtent à cet exercice, je vais en donner juste deux. Qui sont liés au contrôle du volume et qui se ramènent à l'isopérimétrie. Donc, exemple où la philosophie s'applique. Le premier qui peut-être capture le mieux ce que veut dire la courbure de Ricci en termes de volume, mais qui est une invention récente. C'est Brun-Minkowski courbé. Brun-Minkowski courbé. Ça date des années 2000. Cordero et Rosquin et d'autres, et collaborateurs. Puis ça a été généralisé, regénéralisé, et ainsi de suite. Mais ça dit quoi ? Si M vérifie, alors je donne dans la version la plus simple, CD0N, ça vous y pensez, Ricci positif, dimension majorée par N, alors il vérifie une inégalité similaire à Brun-Minkowski dans Rn. Bon, Brun-Minkowski dans Rn, on le connaît, ça dit que si je prends deux ensembles X et Y, alors la somme de Minkowski, X plus Y, puissance 1 sur N, ça c'est la mesure de Lebesgue, est supérieure ou égale à X 1 sur N plus Y 1 sur N.
Bon, en termes géométriques, ça, c'est pas terrible. Parce que la somme, comment transporter la notion de somme dans un contexte géométrique quelconque? Mais ça devient beaucoup plus facile si on interprète x plus y, non pas comme x plus y, mais comme 2 fois x plus y sur 2. X plus y sur 2, c'est un milieu. Ça, ça a un sens géométrique. Et le volume de 2 fois un ensemble, pris la puissance 1 sur n, c'est pareil que 2 fois le volume de cet ensemble pris la puissance 1 sur n, parce que la mesure de Lebesgue est homogène. Donc ça, on peut le réécrire sous la forme x plus y sur 2 puissance 1 sur n supérieur ou égal à 1 demi de x puissance 1 sur n plus y puissance 1 sur n. Et sous cette forme-là, c'est très engageant. Et c'est effectivement ça qu'on démontre. Si m vérifie cd de 0 n, alors, quel que soit x et y, deux espaces compacts dans M, eh bien, l'ensemble des milieux midpoints entre X et Y, on va écrire comme ça l'ensemble des milieux de X, Y, je prends le volume et je l'élève à la puissance 1 sur N, c'est supérieur ou égal à 1 demi du volume de X à la puissance 1 sur N plus le volume de Y à la puissance 1 sur N. Et vous allez me dire, c'est quoi un point milieu? Ben, si j'ai un point dans X et un point dans Y, je dirais que leur milieu, c'est le point milieu de n'importe quel géodésique qui les relie. Et donc, elle me traduit exactement ça, c'est une inégalité de Wolnikowski, que sous une condition CD de 0n, il y a beaucoup de points milieu, beaucoup de points intermédiaires. C'est exactement l'esprit de ce que c'est courbure de Ricci. Vous faites une interpolation au temps intermédiaire, il y a beaucoup de points. Donc ça, c'est un exemple emblématique sur le contrôle du volume. Et si vous voulez, donc, si on trace l'ensemble de tous les milieux, ben, il a un volume qui est assez conséquent, qui n'est jamais trop petit. Et vous voyez, c'est exactement la même inégalité que dans l'espace euclidien. Et puis le deuxième exemple que je vais juste mentionner, qui est l'un des hauts faits d'armes de Misha Gromov, c'est l'inégalité dite de Lévi-Gromov. Autre exemple, donc deux, autre exemple, Lévi-Gromov. Vous prenez dans M, alors je vous donne la version avec un volume, Mg nu qui vérifie Cd de Kn, et vous prenez un ensemble A. Et puis vous voulez vous intéresser au rapport entre, vous voulez montrer que le périmètre de A est assez gros par rapport à A. Bon. Et ce que ça dit, c'est que ça fait la comparaison avec la sphère, avec l'espace Sn de rayon racine de n-1 sur k, hein, l'espace de référence. Et étant donné A ici et la sphère ici, qui a la bonne courbure et la bonne dimension, je définis une calotte sphérique, B, telle que volume de A sur M égale volume de B sur le volume de la sphère, hein, tel que le volume relatif est le même, alors le volume du périmètre de A, mesuré dans M, avec une dimension n-1, sera supérieur ou égal au volume du périmètre de B, ici. Pareil, mesuré dans la dimension n-1. Donc, l'inégalité isopérimétrique, si on veut le profil isopérimétrique, de M, s'il vérifie CD de Kn, est au moins aussi bon que celui de la sphère modèle. Voilà. Alors, donc ça, c'est l'autre exemple. Alors, à partir de la prochaine fois, je vous ferai une liste de propriétés pour lesquelles ce principe s'applique. Il y a des inégalités spectrales, des inégalités de Sobolev, des inégalités isopérimétriques, des contrôles de la chaleur, beaucoup de choses comme ça, et de manière générale, tout ce qui fait intervenir des volumes
et des distances, et on trouve des principes de comparaison basés sur ces dés de Kn. Et donc ça c'est Lévi-Gromov, et l'un début du cours donc c'est de vous expliquer comment démontrer ça dans un cadre non lisse et le généraliser à d'autres cadres tels que par exemple des espaces d'Alexandrov ou des espaces finsleriens. Alors pourquoi c'était emblématique et pourquoi j'avais cité ça dans mon bouquin comme l'un des problèmes les plus excitants dans l'affaire? La preuve de Lévi-Gromov, j'en reparlerai la prochaine fois, c'est une preuve analytique dure. Il y a un moment où il faut appliquer des résultats de théorie géométrique de la mesure qui demandent beaucoup de régularité, résultats tels qu'on les faisait dans les années 70 avec Almgren et tout ça, sur la régularité des surfaces en fonction de courbures moyennes constantes. Et donc c'est une preuve qui est très gourmande en régularité, qui se porte très mal. Et en même temps, c'est une inégalité fondamentale. On a envie de dire que l'isopérimétrie, c'est ce qu'il y a de plus fondamental comme inégalité géométrique. Et celle-ci porte avec juste la courbe de Ricci. Donc on a envie qu'elle soit vraie dans la plus grande généralité possible. Bon, et jusqu'à il y a quelques mois, ça restait encore vrai que dans un cadre extrêmement lisse. Et d'un coup, la situation s'est débloquée. Et maintenant, on le sait faire sans supposer aucune régularité autre que juste dire que les géodésiques vérifient une propriété de déterminisme. Et qu'il y a donc la bande de courbure de Ricci. Voilà donc le programme. Questions, chers amis? Ouais. Tu as fait allusion, disons, à des cabines en somme. Ouais. Riemannien, c'est une colline. Et puis tu as une suite, disons, d'événements climatiques, d'événements géologiques, qui la transforment en une montagne avec beaucoup d'aspérité. Où tu as, disons, des convexités, des concavités en chaque point, etc. C'est un truc comme ça. Alors, est-ce que, disons, dans ce que tu as évoqué tout à l'heure comme cas limite, ce genre de situation est abordé? Oui, alors qu'on en parlera. Dans une certaine mesure, oui, parce que typiquement, si tu mets une borne d'un côté ou de l'autre, ça va te faire que les uns ou les autres. Enfin, tu pourras avoir, par exemple, des singularités de type conique, des choses comme ça. Oui, on parlera de ça. Alors, autre remarque, toute cette théorie, c'est, disons, sur ces deux, en somme, des dérivées secondes, où tu as des produits scalaires. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? C'est-à-dire que, tu considères des sections... produits scalaires, au sens, tu veux dire, c'est L2, c'est genre quelque chose qui est L2. Oui. Tu considères des sections planes, en somme, disons. Est-ce que tu peux... Alors, dans la vie, il y a les espaces métriques. Bon, on fait la géométrie. On va dire que l'espace métrique, c'est le plus fondamental, même si, évidemment, on peut aussi avoir des espaces topologiques. Après, si on veut faire plus précis que les espaces métriques, si on veut faire plus général que les espaces métriques, il y a les espaces métriques plus réguliers, il y a les espaces métriques géodésiques, dans lesquels les géodésiques sont bien définis. Bon. Ensuite, plus particulier, il y a les espaces métriques géodésiques non branchants. Non branchants, ça veut dire que les géodésiques ont une sorte de propriété de déterminisme, et que vous n'avez jamais quelque chose comme ça, deux géodésiques qui peuvent se séparer, revenir. Vous n'avez jamais de bifurcation de géodésiques. Ça, c'est plus régulier. Ensuite, espaces métriques géodésiques non branchants, vous avez les espaces de type... Alors, par rapport à ceux que j'ai donnés, il va y avoir les espaces... Et là, on va mettre deux branchements. Les espaces de type Cartan, Alexandrov, Toponogov, avec une borne inférieure sur la courbure sectionnelle, et puis ici, les espaces finsleriens, lisses. Ici, c'est du genre lisse, mais avec une métrique qui est donnée globalement par une norme, a priori pas un produit scalaire. Ici, c'est genre produit scalaire, mais non lisse. Et tous les deux admettent comme cas particulier les variétés riemanniennes. Bon, ça c'est un peu ce qu'on peut garder en tête. Et évidemment,
les variétés riemanniennes comme ont les espaces euclidiens, comme les plus gentils, les plus sympathiques des espaces. Si on veut, il y a une bifurcation ici. On pourrait regarder aussi des espaces de Finsler non lisses, mais c'est un peu cumulé les difficultés. C'est pas spécialement à la mode. Mais cette dichotomie, elle est vraie. Et il y a ces deux grandes classes d'espaces, les Finsler lisses d'une part, les 4 plus d'autre part, qui ont été très étudiés. Ici, nous, on va se situer en fonction de des sous-hypothèses qu'on regardera, on sera dans ce cas, ou ce cas, ou ce cas, ou ce cas. On saura dire quelques trucs pour ça, mais l'essentiel se passera là, là et là. Et on verra qu'il y a un moyen de faire un Lévi-Gromov qui s'applique ici, à ce niveau-là, et qui donc englobe aussi bien des espaces 4 plus que des espaces Finsler lisses. Alors qu'avant, ils étaient connus seulement ici. Voilà. Oui, une autre question. Tout va bien? Ouais, c'est la mise en jambe, là. Je vous ai remarqué que première généralisation pour les géomètres du non-lisse, donc de ce qui est tout en bas, en tout cas riemannien, c'est des espaces, ben, je vais être plus gentil, je prends la dimension 1, c'est les arbres qui n'ont pas ta propre lieu. Tout à fait. Ils sont là. Ils sont là. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, c'est pas une théorie qui... Ricci marche très mal avec les arbres. Ricci marche très mal. On revient à ce que je disais. Courbure sectionnelle majorée, ça marche bien. Courbure de Ricci majorée, ça marche pas. Je parlais de Yann-Olivier et les autres. C'est pour un cas qui va se brancher à partir de là, qui serait... typiquement, ils vont regarder des chaînes de Markov dans des espaces discrets. Là, c'est encore autre chose. Mais disons, on peut regarder de quel... on peut dire peut-être qu'ils se rapprochent des uns ou des autres par approximation. C'est encore autre chose. Mais les arbres, c'est clair, non, ça ne marche pas. Enfin, je dis, c'est clair, ça ne marche pas. Peut-être qu'un jour, quelqu'un trouvera une façon de le faire marcher en modifiant quelque chose fondamentalement. Mais avec ce que j'ai dit là, ça ne marche pas. Eh bien, c'est bien. Merci.